Mais des fois, ça nous influence notre manière de voir Dieu selon le père qu'on a eu. Et puis nous, on se dit, ben Dieu, il s'intéresse pas vraiment à moi, mais il pourvoit mes besoins, il est en train de s'occuper des choses plus importantes, tout ça. Mais en fait, le vrai papa, il a une passion. Oui, il a une chose à faire. C'est toi. Dieu, on ne peut pas l'avoir avec une théorie. Il est trop énorme. Il est. Moi, j'aime bien dire que je ne sais pas tout. Je ne sais pas tout. Je sais des choses essentielles, tu vois. Et je pense que ça ressemble beaucoup à une amitié comme on pourrait avoir avec quelqu'un d'autre, tu vois. C'est, pour une amitié, je pense qu'il faut une honnêteté. Tu dis à Dieu vraiment ce qu'il y a au fond de toi. Et tu joues pas à l'église. Tu joues pas à... par exemple, il y a des mots qu'on utilise comme chrétien qui sont ouais, amen, alléluia, tout ça, merci Seigneur, et puis béni sois-tu, et puis dès le moment où tu commences à dire merci sois-tu, tu peux te dire attends, qu'est-ce qui se passe? En fait, souvent ces mots, on sait plus ce que ça veut dire. Et puis on les utilise pas dans la vraie vie. Et, tu vois, je fais exprès de dire c'est la vraie vie. Parce que en fait, il faut être honnête. Il ne faut pas faire de cinéma devant lui. Moi, je me suis même rendu compte, c'est grâce à ma femme, elle m'avait dit, ah, quand tu parles de Dieu, on était invité à une table, tu changes de voix. Et je dis, mais non. Je dis toujours ça au début. Puis après, j'en parle avec Dieu, et puis je me rends compte que, mais oui, oh mince. Et puis en fait, c'est comme si, quand je parlais de Dieu, je faisais le mec qui sait. Mais en fait, je ne sais pas. Puis j'ai réalisé, oh, mais je suis désolé. Je veux pas, Seigneur, je veux pas être quelqu'un qui joue un personnage quand je suis avec toi. Je veux être vraiment la vérité, tu vois. Et d'essayer, par exemple, de prier sans utiliser ces mots tout le temps les mêmes, qu'on réfléchit plus. Ça, c'est un bel exercice. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ça va pas que dans un sens, si tu viens et puis tu dis à Dieu, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et n'oublie pas de faire ça, tout ça. Et puis tu dis, mais il est pas sénile, Dieu, t'as. Et puis Dieu, en fait, je pense que ça le fait sourire, je sais pas. Je peux pas me mettre à sa place. Mais on a une tendance à oublier qu'on parle à quelqu'un, et quelqu'un de très intelligent. Et des fois, je me dis, on change de temps quand on prie. D'un coup, on accélère le rythme, tout ça, comme si... Mais qu'est-ce qui se passe? Alors moi, j'essaye de ne pas juger quand je vois les gens faire, mais je rigole. Je me dis, c'est pas juger, hein, ça va. Mais je me dis, parce que moi-même, j'ai fait un chemin où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais, Alain? À qui tu parles? Tu parles à quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas une machine. Parce que souvent, on dit, ouais, il est tout puissant, il sait tout d'avance. Oui, mais ce n'est pas un ordinateur. C'est quelqu'un de sensible. Il a créé les sentiments. Il en a des précieux. Et vraiment, et il a une faiblesse. C'est drôle de dire ça. Hein? La faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est écrit dans la Bible. Mais la faiblesse de Dieu, c'est toi. Tout ce qu'il est prêt à faire pour toi, à changer ses plans, tu te rends compte? Lui qui sait, il change ses plans. Pourquoi? Parce que tes idées étaient meilleures? Non, il change ses plans parce qu'il a cet amour, cette amitié. Et des fois, on dit « Dieu est comme un père ». Mais c'est dangereux de dire ça, parce que c'est la vérité, mais il n'est pas comme les pères qu'on a eus. Parce que les pères qu'on a eus ne sont pas parfaits. Le mien travaillait beaucoup. Souvent, je ne le voyais pas le matin, parce qu'il était déjà parti travailler, rentrait le soir quand je dormais, et tout ça. Puis il faisait ça pour nous, et puis voilà, etc. Et puis du coup, je me suis dit, voilà, un père, c'est quelqu'un qui pourvoit aux besoins des autres. Mais des fois, ça nous influence notre manière de voir Dieu selon le père qu'on a eu. Et puis nous, on se dit, ben Dieu, il ne s'intéresse pas vraiment à moi, mais il pourvoit mes besoins, il est en train de s'occuper des choses plus importantes, tout ça. Mais en fait, le vrai papa, il a une passion. Oui, il a une chose à faire. C'est toi. Et c'est ça. Et les gens confondent tellement, mais je le vois, parce que je l'ai vu en moi.
Du coup, après, je l'ai vu en d'autres. Mais ils confondent. Ils viennent vers moi, ils me disent, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Puis je me dis, si tu veux, c'est pas ça. Déjà, est-ce que tu sais ce qui l'intéresse, lui? Et en fait, Dieu ne s'intéresse pas tellement à ce que tu fais. Il s'intéresse à qui tu es. Et peut-être même si ça doit amener, si tu peux être quelque chose, tu vois, être en lui, si, comment je vais tourner ça, même si tu dois passer par une épreuve et que ce que tu voulais faire pour lui ne marche pas, mais ce qui compte, c'est plus qu'est-ce que ça va te rendre, comment tu vas devenir grâce à cette épreuve. Moi, j'aime bien dire que Dieu, c'est comme ce Père qui a tout le temps pour toi. Et puis, ben moi, je lui dis tout, je lui parle de tout. Vraiment, il n'y a aucun sujet tabou, vraiment, il y a tout. Ça ne sert à rien de cacher quoi que ce soit, de toute façon. Il y a cette honnêteté, et ça se fait petit à petit, c'est comme quand on s'adopte, tu vois. Et puis petit à petit, ben, tu ne vas pas dire tout de suite les trucs les plus intimes à un ami que tu viens de faire, ça prend un peu de temps. J'ai l'impression que Dieu a aussi ce fonctionnement. Des fois, il me partage des choses à lui. Et je suis très honoré. Des trucs qu'il ne dit pas aux autres, tu vois. Et ça me touche, tu vois. Je me dis, mais pourquoi tu... Oh, merci, je sais pas, ouais. Et une fois, j'étais en voiture avec lui et puis j'étais en direction de la Suisse allemande, c'est un pays germanophone juste à côté. Et il m'a partagé son fardeau pour eux. J'étais écrasé. Ouais. Oh. Ok, je tellement d'amour, tellement un cri pour eux. Ben, heureusement qu'il me fait faire ça trop souvent. Et je suis trop content qu'il l'ait fait. Parce que moi, je partage les choses et lui aussi des fois. Tu vois. Alors, je comprends ma limite de réception. J'ai pas autant de récipients d'amour que lui, tu vois. Je comprends. Mais ce qui m'a touché, ben c'est déjà d'avoir ressenti ce qu'il a ressenti. Un millième de ce qu'il a ressenti. Mais qui se prenne la peine de me dire, tu vois. De partager ça. Il n'est pas obligé. Il a sûrement des conseillers beaucoup plus intelligents que moi. Des gens qui sauraient, des êtres qui sauraient être des meilleurs vis-à-vis. Mais, tu vois, moi, je fais des bandes dessinées, j'écris, je fais des spectacles, je fais plein de choses, tu vois. Mais j'ai juste l'impression de faire un château de sable avec papa dans la plage, tu vois. Mmh. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression, mais tout ce que je fais là, ça va disparaître. Un jour, les gens ne sauront même plus ce que j'ai fait, tu vois. C'est sûr qu'au ciel, il y aura des bandes dessinées. Ça sera incroyable. En fait, ce qui touche dans les gens en lisant Rendez-vous dans la forêt ou une de mes BD, alors il y a peut-être l'œuvre, tout ça, mais je crois surtout, c'est que j'y ai mis quelque chose de ce moment que j'ai eu avec le sable, pas avec le sable, avec papa dans le sable. Et ça c'est éternel. Mais ça, c'est écrit sur un livre, mais en réalité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas palper, qu'on ne peut pas toucher, mais qu'on peut prendre avec soi dans l'au-delà. Même si tu perds la mémoire, il est là, tu vois, c'est comme, tu vois, c'est quelque chose, c'est la richesse. Et finalement, l'Esprit de Dieu est présent dans ce non-dit, et puis les gens le sentent. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.